C'est bon ? En entier, ça passe. Ok, bouge pas. Salut. Mondial de l'auto, je sors un chien, c'était génial ici. Si l'année prochaine ou dans 2 ans, le mondial revient, j'y retourne. Sinon c'est impoli, il faut quand même que je me montre un petit peu là qu'est-ce qui se passe. Il y a 2 ans on était allé au mondial de l'auto à Paris déjà avec celle qui est juste à côté. Et c'était une édition qui avait été marquée par l'absence de pas mal de constructeurs qui est un peu corrigée cette année. Il y a pas mal de monde. Et cette vidéo format vlog, eh ben, on y va, on y retourne, on reproduit le schéma d'il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'on y va demain, dimanche 20 octobre, et on fait littéralement la fermeture du mondial, encore une fois. Cette fois-ci, je vais faire en sorte à ne pas me foirer et avoir toutes mes batteries de charger et pouvoir vous filmer ça jusqu'au bout. Il y a 2 ans, j'étais tombé en panne de batterie, on n'avait même pas fini de faire les stands du mondial et on a raté une belle séquence où c'était la chialade en fait à la fin. Il y avait eu un concert de klaxons avec presque tous les stands, je crois. Toutes les marques ont fait un espèce de gros concert de klaxons à la fin. Genre pour vraiment signer la fin du mondial, c'était magnifique. Et avec Seb, on est sorti en chialant, c'est pour ça que je dis que c'était la chialade. Donc cette année, l'objectif, c'est de ne pas reproduire la panne de batterie que j'ai eue il y a 2 ans et de revenir sur ce regret-là et de l'effacer, de pouvoir vous filmer ça, ce que je veux filmer jusqu'au bout. J'ai quelques infos sur certaines bagnoles, on va aller voir ça sur place. Le but, c'est pas vraiment de vous faire un épisode de turbo sur M6, hein, c'est pas l'objectif. Mais disons que on va au mondial, donc faut quand même parler bagnole. Mais en attendant, ce soir, c'est Bouillon Chartier. Ah ouais, ils sont pas pleins d'oseilles ceux-là, avec leur veste Jules à 2 euros, là. Ah, les comites, c'est mort, toi. Ils vont les bouffer dans des restos. Non, mais c'est bien, le Bouillon Chartier, c'est bien, vous allez voir. On y va, hein, parce que on va finir par être en retard. Hein. Donc, go, hein. D'organisation, on va pas chez Chartier parce que quand t'as une heure d'attente, c'est pas terrible. Et on s'est rabattu sur les bons vieux Hippopo. Ouais, non, ça se dit pas, je vais arrêter. Voilà. Et bonne soirée. Il marche, hein. C'est bien, on y va alors. Oh bah la Twingo électrique, non, c'est pas celle-là. Merde, je me suis trompé de stand là. Un petit espace, un vrai espace. C'est
cette époque-là, il y avait déjà la couleur sable. Il y avait déjà la couleur sable à l'époque, ouais. Un espace d'acier. Ouais. C'est pas lui, celui-là, c'est pas l'espace F1, c'est l'espace 1. Il y a pas le F. Bon, ça, c'est un prototype de véhicule à l'hydrogène, mais tu sais, là, ce truc-là, ici dans le plancher, là, on dirait des bouteilles à gaz, des bouteilles de propane, pour faire que les frettes. Fatigant. Pour faire cuire les frettes et le steak. Ouais. Des bouteilles à gaz. Retour de Cadillac en Europe. C'est beau, avec le Lyric et un autre modèle plus petit qui est derrière. Et no DMC for the music, please. Pas de copyright, hein. On va continuer à parler dessus. Alors, je fais des frites. Et donc voilà, effectivement, de côté, malheureusement, hein, le Cadillac optique qui est légèrement plus petit que le Lyric. Qui est là-bas derrière, en blanc. Voilà. Alors, globalement, c'est le même, hein, mais plus petit, c'est tout. C'est le même, la même fatence, hein, le même logo Cadillac ici sur les roues. Et puis, voilà, hein, optique. Voilà, optique et audition. Oh tiens, un paquet de piles Duracell, si elles peuvent être moins chères qu'à Auchan. Ah, je veux bien. Il y en a beaucoup en plus. Et pour les jouets à Noël, c'est bien ça. Je veux pas m'associer à ce truc là. D'accord, bah t'associe pas, c'est bien. Aito, ils nous sortent une bagnole qui, à mon avis, est passée par pas mal d'endroits en Europe. Signée. Mais je vois pas mon... T'as un marqueur ? Sans un bic, sans un marqueur. On va signer l'auto. Bon pour un cœur. Bon pour un cœur, ouais, effectivement. Achat content. Quand tu vois la plaque d'immatriculation, tu vas vachement être tranquille, à mon avis, au niveau des radars. Hein. Je sais pas qui te le dit. T'auras pas les PV tout de suite, hein. Quel enfoiré. Ouais, non, mais y a pas ma signature, ça... Ça ne va pas, on va corriger ça, je vais voir avec le boss. Petit concerto là, magnifique. Juste avant le hall 6, ça, c'est bien ça. Je peux pas m'associer à ça, moi. Là on discute, là on commence à discuter. Hall 6 où il y a tout le monde en fait. Il y a tout le monde et principalement le groupe Renault. Voilà. Mais c'est tout le monde. C'est, voilà. Bon bah c'est parti. Hein. Là par contre Renault c'est les bons parce qu'ils nous ont sorti, là il est derrière, là, ils nous ont sorti le petit babyfoot Renault 5. Alors là, ça va chier. Les mecs sont partis frère. Ils sont partis en roue libre. C'est le cas de le dire puisque c'est Renault. Et qui fabrique des voitures. T'as compris ou pas? Parce que sinon je peux te réexpliquer. Alors. Et en face de moi, un Seb sauvage qui effectivement ne concourt pas nulle part face au Baby Renault 5. Fais attention à toi là. C'est parti. Bon, mise à jour, petit point, mise à jour Babyfoot Renault 5 chez Renault. Bon bah j'ai perdu, hein. 8 à 10, voilà. Donc même là, au Babyfoot Renault 5 du stand Renault du Mondial de l'Auto à Paris, en 2024, même là, je suis une brêle au baby. Notez ça dans les agendas et rendez-vous jamais, du coup, pour une prochaine partie de Babyfoot. Allez, salut.
t'es un peu grand comme modèle, toi, pour rentrer derrière. Hein. Ça touche un peu les genoux. Hein. Pas l'accoudoir diplomatique. Tu te plains de l'absence de l'accoudoir, toi ? Il faut un accoudoir diplomatique. Mais c'est une Renault 5. C'est une Renault 5. Il est où, lui ? Il est où, lui ? Il est où ? Renault, et ça je voulais le voir et pas me spoiler avant le mondial de l'auto, c'est la Renault 5 e-tech que Seb, qui tient la caméra, l'iPhone, a réussi à voir au tout dernier mondial de l'auto, salon de l'auto pardon, de Genève, le dernier des derniers. Il a réussi à la voir. Et moi, du coup, première fois ici au mondial de l'auto, c'est plutôt sympathique. Renault 5 e-tech qui se lance actuellement avec deux versions, la Iconic 5, Iconic 5 au catalogue et la Techno. Et plus tard, fin 2024, la version de base, la Evolution, arrivera au catalogue également. On arrive avec une batterie de 52 kWh qui nous promet jusqu'à 410 km d'autonomie WLTP annoncée par Renault. Et pareil, d'ici la fin de l'année, on va avoir une version avec une batterie plus petite de 40 kWh avec au bas mot 310 km d'autonomie annoncée par Renault. Du coup, cette petite batterie arrivera en même temps que la version de base Evolution. Et au niveau des puissances, c'est là où ça bouge aussi, puisqu'on est à 150 chevaux actuellement avec la batterie 52 kWh. On pourra descendre aussi à 120 chevaux avec la même batterie, me semble, si je me trompe, je vous mets l'info ici en incrustation. Et quand la version de base Evolution arrivera avec la petite batterie de 40 kWh, Renault nous promet une puissance de 95 chevaux seulement. Les tarifs, eh bien, on est à 29 490. Je me rappelle les chiffres. 29 490 € bonus de 4 000 € déduit pour la version techno avec la grosse batterie 52 kWh et donc la grosse autonomie. Vous êtes à 23 990 € bonus de 4 000 € déduit avec la petite batterie, donc qui arrivera incessamment sous peu, donc 40 kWh. Et la fameuse Renault 5, promis à 25 000 € par Renault, la Evolution avec la petite batterie. On sera effectivement aux 25 000 € promis par Renault, on y arrivera. Donc ce sera d'ici la fin de l'année 2024. Et en 2025, il faut encore attendre un petit peu, en 2025, on aura également une version spécifique Roland-Garros de la Renault 5 e-tech qui va arriver au catalogue. Alors voilà, donc première visu de cette Renault 5 pour moi. Effectivement, ça ressemble à une Renault 5 comme on a pu déjà la voir par le passé. Le seuil de coffre est un peu élevé. D'ailleurs, en voici la capacité. À l'intérieur, alors moi je suis monté dans une version où il n'y avait pas la petite inscription Renault 5 côté passager. J'étais un peu déçu, mais bon, bah c'est comme ça, on peut pas avoir ce qu'on veut dans la vie. Et le petit habillage en tissu là, matelassé sur le tableau de bord, c'est du plus bel effet. Également le toit gaufré, le tissu gaufré tout en haut, au-dessus de votre tronche, foncé d'ailleurs, finition foncée du tissu. C'est beau, c'est pas mal, ça fait une belle finition. Comme certains ont pu remarquer, on a le même volant pratiquement que dans la Mégane E-Tech. Alors est-ce que le développement était à peu près pareil? Ça, on n'en sait rien. Et les sièges, les fameux sièges tulipes, ça rappelle les sièges tulipes qu'il y avait dans la R25 à l'époque. Merde, la R25 manager, punaise. Le chef d'entreprise avec sa R25 V6. Bon bah ça rappelle un peu ça, voilà. Siège tissu. Déception effectivement, les entourages de portes, les plastiques sur les portes qui sont durs, ça on l'avait déjà vu sur les présentations qui ont été faites. Et ils font souvent ça sur les nouvelles voitures, c'est que les plastiques font très toc-toc, c'est pas des plastiques moussés. Mais belle première pour moi de voir la Renault 5 ici, au stand Renault qui est encore une fois un des plus gros stands du Hall 6 du mondial. Et on va aller voir juste à côté la Renault 4 e-tech Tech. J'arrive plus à parler parce qu'elle aussi, elle revient. Revival, c'est parti. Renault, l'autre nouveauté effectivement c'est la Renault 4 e-tech, donc également électrique hein, comme la Renault 5. Les revival des vieux trucs comme ça chez Renault, ils aiment bien en ce moment. Donc la Renault 4 e-tech qui pour l'instant n'est pas sortie, elle est juste présentée ici en première mondiale au mondial de l'auto de Paris, et elle arrive avec globalement les mêmes batteries que la Renault 5 e-tech et les mêmes caractéristiques, les autonomies, 410 km d'autonomie et tout ce genre de choses. Pour le moment on ne connaît pas encore les tarifs de la Renault 5 e-tech. Je commence à confondre les deux, c'est bien. Non, c'est pas bien. Donc on ne connaît pas encore les tarifs ni la disponibilité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est présentée ici en première mondiale au mondial de l'auto de Paris en 2024. Offre de 420 litres, à ion électrique. Vous aurez également droit à un toit ouvrant en toile sur certaines finitions et en option. Il y aura également ce qu'on appelle un hardtop, hein, basiquement un toit dur. Voilà, comme n'importe quelle bagnole censée. Et à l'intérieur, bah, c'est globalement une Renault 5, mais adaptée pour la forme et la taille de la Renault 4.
Tout simplement, on retrouve les mêmes éléments, le même volant, les mêmes sièges tulipes, le même tissu sur la planche de bord, on retrouve exactement les mêmes éléments. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Et c'est cette année, effectivement, les deux grosses nouveautés du stand Renault, la Renault 5 E-Tech et la Renault 4 E-Tech, surtout la Renault 4 E-Tech, puisqu'elle est présentée pour la première fois ici au Mondial de l'Auto de Paris 2024. Pour cette R4, vous pouvez également, c'est le même principe que pour la Renault 5, je vais y arriver, c'est que vous pouvez dès à présent commander, comme ils appellent ça, un R4 AirPass qui vous coûtera 150€ pour vous placer dans une espèce de file d'attente pour en fait vous trouver dans les premiers à vous faire attribuer une commande par Renault pour une R4 E-Tech et du coup à être dans les premiers à être livré. Voilà. Alors je voudrais voir actuellement l'état du carnet de commande des Renault 5 parce que ça doit être un de ces bordel entre les gens qui ont pris le R5 AirPass à l'époque et ceux qui viennent la commander maintenant en concession, l'attente qu'on doit leur annoncer. Mon gars, ils doivent pas être prêts, je pense. Et oui, je tiens ma gourde de flotte depuis tout à l'heure parce que je peux la tenir qu'avec mes mains. J'ai pas de ça, j'ai rien. Voilà, et après il y a Dacia et Alpine là-bas au fond. On va les voir aussi parce que Dacia, il y a de la nouveauté également. Hein. Le Bigster, tout ça, on va les voir. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Je procède la marche avec mes pieds. Ça vous va ça? Pour aller chez. D'accord, hein, allez. Quoi de mieux pour parler du Dacia Bigster que d'être devant un Dacia Bigster? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'est pas possible. Dacia Bigster, donc alors c'est quoi? C'est un Duster plus long. C'est le cahier des charges Dacia. Hein. Dacia Duster plus long. Ils l'ont bizarrement pas équipé de 7 places alors qu'il a un coffre. Salut coffre. Et ils ont augmenté l'espace de la cabine à l'intérieur, la hauteur de la cabine qui est plus grande par rapport au Duster. Sur ce Bigster, vous allez avoir certains équipements qui sont en option sur le Duster qui arrivent en série sur ce Dacia Bigster, notamment les instrumentations numériques face au conducteur qui sont une option sur le Duster et qui sont de série sur le Bigster. Ah bah tiens, c'est maintenant qu'il rallume les feux. Je voulais vous faire un genre travelling derrière. Bon, allez, ça va être bien. Par contre, merci de me pourrir mon plan. C'est sympathique. Ouais, bah, c'est comme ça, c'est un mieux. Donc, comme je le disais, c'est un Dacia Duster plus long. Vous avez également des différences niveau motorisation. Alors, n'attendez pas un diesel. Ça aurait mérité un Blue DCI, ce machin-là. Un truc, je sais pas, 2 litres Blue DCI 150. Ils auraient pu le refaire. Parce qu'il y a du XCL en plus qui arrive dans les stations. Bah non, non, j'avais pas envie. Donc, on reste sur des blocs essence majoritairement et hybride, surtout avec le 1 litre 2 TCE. J'y arrivais, mais c'est dingue ça. 130 chevaux en 4 roues motrices et 140 en 2 roues motrices. Donc, en fait, c'est le même moteur, mais ils ont deux puissances différentes. C'est exactement le même. Vous avez également un 1 litre 2 Eco G, donc GPL bicarburation, qui culmine aussi à 140 chevaux. Et on finit tout en haut avec un 1 litre 8 full hybride. Ça, c'est inédit chez Dacia. Le 1 litre 8 full hybride, c'est une première. 155 chevaux. Donc, c'est des chevaux de moteur électrique et puis de moteur essence. Bon, c'est des chevaux que tu as tout en haut, tu sais, dans la plage de régime. Alors qu'il t'aurait mis un Blue DCI sur ce truc, mon frère. Un couple arraché des arbres avec 150 chevaux, là, un 2 litres. Oh là, ça aurait été beau, ça, magnifique. Et puis donc, on a quelques éléments aussi qui diffèrent. Donc, à l'intérieur, en plus de l'instrumentation, c'est cet accoudoir central que vous avez à l'avant pour la version boîte automatique. C'est un accoudoir qui est vraiment gros, relevé, différent du Dacia Duster pour apporter plus de confort. Le but pour Dacia, c'est de rechercher une cible de client qui va avoir un petit peu plus de maille à mettre dans un Duster, entre guillemets. Parce que vous l'avez compris, c'est pas vraiment un vrai Duster, même s'il garde du coup toutes les capacités de tout terrain. Voilà. Et on retourne dans la lumière divine. Voilà. La lumière divine, je sais pas ce que ça rend la vidéo, ça va être terrible. Et puis alors j'ai aussi un petit peu oublié de vous dire, c'est que là quand je fais le passage vidéo, j'ai pas les prix. Je suis bien, moi j'ai pas les prix. Mais j'ai entendu parler d'un truc comme 31 000€, mais ça doit être pour les versions haut de gamme. Donc ouais, c'est plus cher que les autres Dacia que vous auriez au catalogue, hein, mais je viens de vous le dire, hein, le but recherché par Dacia, c'est des clients qui ont un petit peu plus de sous pour acheter une Dacia. Est-ce que ça va payer à l'avenir ce pari-là? Bah bonne question. C'est ce qu'on verra avec, avec Duster. Avec Bigster, bah ouais, je fais l'erreur, c'est bien, c'est cool. Bigster, à côté, Bigster, à côté, Bigster. Oui, il y a un petit instant comme ça, là, où on se trouve, en fait, littéralement derrière toute l'agitation, tu sais. Là, derrière nous, là, c'est le stand Renault, c'est tout le bordel de chez Renault. On s'est arrêté chez Paul, et en fait, on est, tu sais... Quand tu te trouves derrière comme ça un petit peu, il n'y a pas de lumière, il y a à peine la lumière du totem pole en haut là. Dans la pénombre, dans les coulisses, tu te trouves là, il n'y a rien, tu sais c'est calme, on est trois ronds de frites, on boit notre café, on est tranquille. Et tu te dis que derrière, c'est le bordel, les gens se montent dessus. Petit disclaimer qui arrive peut-être un peu tard, je m'excuse pour le cadrage dans cette vidéo. Hein. C'est pas dans cette vidéo, encore une fois, que vous aurez mon CV en tant que caméraman. Voilà. Café, café,
très important le café. Café, buvez. Mais prenez la tasse. Prenez le. Ils prennent pas la tasse. Kia est également présent ici, et cette année, bah, c'est ça leur nouveauté, le EV3. En fait, c'est un petit EV9, hein, en gros, si on peut résumer. Voilà. Parce qu'effectivement, le EV9, c'était énorme, et donc cette année, bah, c'est le EV3. Ouais, là, tu sens la fatigue arriver, on arrive au hall 4, et en fait, là-bas, c'est pas un accès, hein. C'est des miroirs. Hein. On s'est fait avoir comme des bleus avec Seb. Donc en fait, on est obligé de descendre pour l'accès au hall 4. Ce qui est pas grave, hein, puisque j'ai mal aux pieds. C'est pas grave, je vais tomber. Dis donc, je vais tomber. Stand Citroën avec juste derrière moi, là, en vert, là, l'espèce de gros machin vert qu'on voit tourner, là, je sais pas si on arrive à le voir, le concept C5 Aircross qui est censé, je pense, préfigurer la prochaine gamme Citroën. Et bizarrement, j'aime bien, j'apprécie, hein, le concept devrait quand même être assez éloigné de la réalité, hein, parce que quand même, regarde-moi le truc quand même. L'intégration du nouveau logo me semble mieux faite que sur les modèles actuels, mais c'est normal, c'est un concept, hein, donc ils font ce qu'ils veulent. Et également la face arrière, c'est marrant, ça me fait un peu penser à Volvo, un peu. Voilà, ça arrive, C5 Aircross. Franchement, j'aime bien, avec le gros logo Citroën, là. Encore une fois, que je trouve mieux intégré que sur les dernières productions. Et c'est un concept, hein. Espérons qu'ils gardent pas mal de trucs pour la version de série, ça serait bien. Ah, puis alors, chez Citroën, il y a aussi la toute nouvelle C4. Bon, et eh ben les mecs, nous voilà dans la nouvelle C4. Alors c'est la iC4, celle-ci, c'est la version électrique de la C4. Nouvelle du nom, restylage avec un nouveau bouclier à l'avant qui intègre une nouvelle signature lumineuse et enfin le nouveau logo Citroën qui commence à être intégré un peu partout dans les autres modèles de la gamme. À l'arrière, vous avez pu le voir peut-être déjà sur les plans de coupe, on change aussi la signature lumineuse qui n'est plus en X. Ils abandonnent un petit peu ce concept. J'aime mieux personnellement le traitement de la signature lumineuse justement sur ce nouveau modèle à l'avant et à l'arrière. Alors la couleur que vous avez pu voir ici qui est présentée au mondial de l'auto, d'ailleurs il faut savoir que la C4 ici fait une présentation en première mondiale ici, et là c'est une nouvelle couleur qui sera au catalogue Citroën. Et ici à l'intérieur, eh bien Citroën, regardez, je vous montre tout de suite, ils abandonnent le concept de la boîte à gants en tiroir et reviennent à un concept plus merde si j'arrive à l'ouvrir un concept plus il faut appuyer, ok, un plus classique de boîte à gants qui s'ouvre. Et quand t'as une regarde, c'est bien foutu, c'est que là ça bloque là, voilà, défaut de ça arrive, donc bon, voilà. Et ça permet d'avoir une boîte à gants qui est plus grande par rapport au précédent modèle qui du coup était à tiroir. On aura toujours donc des motorisations hybrides et 100% électriques comme cette Citroën iC4. Bon allez, je vous donne les infos, je les ai trouvées en version thermique et 100% électrique, enfin hybride et 100% électrique, donc c'est de la micro-hybridation et on sera sur les moteurs PureTech 100 et 136 chevaux. Et en électrique, c'est les batteries de 50 et de 54 kWh si je vous dis pas de bêtises, pour respectivement entre 300 et 400 km d'autonomie en électrique. Pour l'instant, les prix sont pas connus et la disponibilité pour le moment non plus, mais ça va bientôt arriver, il faut se tenir informé. Et dernière petite info aussi, le changement, c'est qu'effectivement on gagne sur l'instrumentation full numérique. Au niveau du conducteur, vous allez avoir cette nouvelle instrumentation qui passe de 5,5 à 7 pouces. Voilà, c'est plus grand. C'est vrai que sur l'ancienne C4, je trouvais que ça faisait un peu petit. Ça faisait un espèce de carré flottant ici. Là, c'est mieux intégré et c'est plus grand. Donc c'est cool. Ici, ça change pas. Ça reste globalement la même chose. Et puis le volant, toujours le même avec le petit logo Citroën, le nouveau. Hommage aux 100 ans de la marque. Puis, ça fait déjà un petit moment que c'est là. Hein. Et puis Advanced Comfort, hein, c'est magnifique. Le petit siège. Voilà, messieurs, dames. Et là, donc je sors de ce véhicule, hein, procéder à une sortie en récupérant la petite voilà, elle rentre dans la porte pour savoir, hein, voilà, ici ça rentre, hein, mais ça bloque avec la boîte à gants à savoir, et on claque la porte. We'll be right back.
Bon, alors chez BM, BM Double Veil, c'est comment chez BM Double Veil? Je ne sais pas ça. Ah, d'accord, tu t'associes toujours pas à ça, toi, c'est depuis le début. Et il va falloir qu'on aille voir la série 5, hein, parce que moi, avec mon E39, je fais la fine bouche. Hein, Alors là, tu chez BM Double Veil, c'est la présentation de leur gamme Neue Klasse, avec donc un 4x4, ici un SUV, et là-bas, plus une voiture typée berline. Là, voilà. Ah, ça zoome un iPhone, c'est beau. Ça préfigure les prochaines BMW en fait, ça préfigure les prochaines voitures tout simplement. Puis bon, bah ça, indétrônable. Hein. La 7, série 7, hein. Le patron. Voilà. Mais bon, on n'a toujours pas la série 5 hein, qui est là-bas au fond. Là-bas au fond avec la nouvelle M5. Donc on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça. Hein. Ok, nope, on n'ira pas voir la série 5, on se fait jarter comme des malpropres du stand BM à 18h30. Fermeture à 19h quoi, du salon, du mondial. Mais 18h30 chez BM, il n'y a plus personne. Voilà. Skoda, eh bien chez eux, cette édition, cette année, disons la nouveauté, c'est le petit Elroq SUV urbain, je pense, vu la taille, non? Ouais, ça doit être pas loin de ça. Hein. SUV électrique. Alors j'ai pas du tout les données, mais voilà, c'est la petite nouveauté de cette année chez Skoda. Le Elroq. Voilà. Elroq, hein, le caillou, Elroq, littéralement. Voilà. Lui non, et Darned non. Il ne participe pas à ce... Je m'associe pas à ça. Voilà, il s'associe pas à ça, lui. Non, toujours. Chez VW, chez Volkswagen, eh bien, cette année, la nouveauté, c'est le Volkswagen Tayron, hein, voilà. Donc, un espèce de... Beaucoup disent que c'est un Tiguan, un grand Tiguan, on va dire, avec... on va regarder sur le totem, 6, 7 places, 5 places, 2 places, 1 place. Ok, c'est pas gris. Ok, c'est pas écrit, bon, c'est pas grave, c'était les petites fiches qui sont à terre. Donc effectivement, ça fait déjà un beau bébé. Hein. Ça ressemble effectivement à un Tiguan, mais de là à vraiment dire si c'est un grand Tiguan ou pas, telle est la question. Et en tout cas, voilà donc cette petite nouveauté, les petits sièges, hop, rapidos, voilà, les petits sièges avec le velours, nickel, les portes, plastique dur, oui, plastique dur. Très très bien. Pendant une seconde, j'ai cané, c'est pas un miroir ce truc. Hein. Non, regarde, tu peux y aller, hop là, on peut passer. Donc, beau bébé malgré tout, hein, ce Tayron, disponible en version hybride, voilà, motorisation hybride, juste à côté du concept ID GTI, voilà, qui préfigure une prochaine GTI chez VW, une prochaine petite bombe, comme ils ont fait à l'époque avec la Golf GTI. Mais pour l'instant, on n'a que des infos de concept et pas vraiment de réelles infos physiques. Et en fait, si on regarde à l'intérieur, là on voit pas bien, les vitres sont teintées, mais c'est l'intérieur d'une Polo à l'intérieur. Voilà. C'est la planche de bord d'une Polo, alors que c'est un concept. Voilà. En passant, hein, pour ceux qui voudraient connaître, savoir, voilà, ça, c'est fait. Et on revient un petit peu sur le Tayron, hein, parce qu'on a l'avant un petit peu plus posé, voilà. Chez Volkswagen, je n'aime personnellement pas trop la grille, là. Ici qu'ils mettent sur les nouveaux modèles. Mais c'est personnel, voilà, c'est très personnel. Et donc voilà, on sort du pavillon 4. Alors il y a un pavillon qu'on n'a pas fait, c'est le 7. Mais c'est beaucoup les services et les entreprises, donc on n'avait pas envie d'y aller. Et c'est la fin du mondial de l'auto, ça y est, c'est terminé. Là on sort, on retourne en fait au pavillon 6 pour essayer de choper un ou deux goodies chez Renault si on y arrive encore. Et puis bah, globalement, après c'est retour chez E.T. Tu l'as celle-là E.T. Parce que... Pas ça. D'accord, toujours pas. Non, E.T. téléphone maison, non? Non, bon, ouais, non, mais j'ai que ça en stock, tu comprends, à 18h45. Alors, malgré le monde, parce qu'on y allait un dimanche, hein, le jour de la fermeture, bah, très belle édition de ce mondial. Pas mal de constructeurs étaient là cette fois-ci. Renault, toujours, Renault, Dacia, à fond, tous les potards tournés à fond, le plus possible, au maximum. Donc, toujours un plaisir d'être chez eux. Et puis, bah, tous les autres, Audi, Volkswagen, Skoda, Citroën, Peugeot. Voilà, ils étaient tous là, à leur endroit, à leur place. C'est ce qu'on attend d'un salon automobile, d'un mondial de l'auto. Et là, nous allons nous diriger vers la sortie parce qu'on est en train de se faire jarter. Voilà. Ah, c'est mort. Tout est fermé.
Non, on voulait aller à la boutique Renault là-bas, mais je crois que c'est mort. Le salon ferme ses portes, nous vous invitons à sortir. Voilà, le porte-voix l'a dit. On nous invite à sortir. Hein, voilà. On essaie de choper la photo souvenir pour Seb, hein, ici, qui s'associe toujours pas à ça. Je vous souhaite une excellente et à bientôt.